as fini ce côté. Tu as fini ici. Les chaises là sont nettoyées. Et tu couches les doigts, câble ton dos. Laisse-moi tout le volume de l'autre. Voilà, bonjour, désolé pour le retard. J'ai eu de sérieux problèmes techniques ce matin. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Parce que je vais revenir sur une accusation très sérieuse, sur une affaire très très grave. Une affaire de viol. Et ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit. Ba vigo la baina ah pando chaise toi vio beitina ni msedo c'est pas la place là-bas ko je brodan ni msedo mando fu vaita dai bu babal awata dum hato. Bonjour à tout le monde, bonne arrivée à tous ceux qui sont connectés ce matin. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît, dans nos groupes, parmi nos amis. Ah, kuni na mzoe chane lo alara to direct lo sa alato. Alumari numéro directrice na. Jeti zoe chane vio mamire yona mo. Oye chane vipat wara hoa salaire mabe. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour ce moment solennel que tu nous donnes encore d'expérimenter ta présence. Seigneur, nous prions que tu sois au milieu de nous. Que ton esprit nous sanctifie. Que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous aurons à faire. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Accorde à chacun de nous de trouver son chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai annoncé il y a quelques minutes, je vais revenir sur l'accusation très très grave de viol contre moi. Accusation grave, gravissime, gravissime, très grave de viol contre moi. Je vais revenir là-dessus et puis je crois que c'est important que je m'exprime, que je m'explique et que j'en parle. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni et exalté. Dans le nom précieux de Jésus. S'il te plaît, partage la vidéo si au maximum, c'est important. La partager dans tous les groupes. Quand on le sait, là, dans tous les groupes. Tellement de fauteuils sans avoir de choral, ce n'est pas possible. Dieu n'a de choral. Qu'est-ce que tu es? Kai na hado de hato hado korwal to fotai table man do fotai jimba dum na o bi a ho atele man ta join a korwal en sorte que milara image do sala lo. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ça. On attend encore les autres pendant 2 minutes et on va entrer dans le vif du sujet.
Merci Jésus. Il y a un commentaire que je viens de lire là, quelqu'un qui me dit que, Pasteur, il faut faire vite, pardon. Soyez quand même un peu patient. Faut être un peu patient dans la vie, la patience, c'est bien. Tout le monde doit être scotché ce matin. Voilà, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, nous bénissons Dieu pour les cultes, les deux cultes d'hier, le matin et le soir à Berthois. Je veux dire merci à toute la population de Berthois pour l'amour et la fidélité à la parole de Jésus-Christ que nous enseignons. Nous glorifions le nom du Seigneur parce qu'il est vivant. Des milliers, plus de 5 000 personnes se sont rassemblées hier à Berthois pour écouter l'évangile de Jésus, et nous sommes grés. Nous sommes pleins de reconnaissance pour la population de Berthois. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous multiplie, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et nous prions pour vous, que la fidélité de Dieu soit votre bouclier et qu'il donne à l'évangile un grand accès dans la ville de Berthois. Malgré ce que l'ennemi peut faire, nous croyons que le Seigneur nous permettra d'aller de l'avant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Bénis les habitants de Berthois au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, nous allons commencer et je voudrais lire une histoire dans la Bible qui va ressembler un peu à ce que je vais vous dire ce matin. Je vais partager ce matin avec vous. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, c'est-à-dire pour me violer. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Donc, voilà un peu pour le passage. Et va où tu vas, dans le Rongwando, à Wati, dans le Kotlot, net. Chaque chose a sa place à ton net, tu entends. Donc, l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar est une histoire qui m'a toujours fasciné. Toujours. Il y a ce que j'appelle les injustifiables. Vous savez, les injustifiables, c'est une condition dans laquelle toutes les preuves vous accusent. Mais vous savez au fond de vous que vous êtes innocent,
Vous clamez votre innocence, mais les gens ont des preuves. Et les preuves vous incriminent totalement. Vous voyez, dans ce passage de la Bible, il s'agit d'une histoire de viol comme celle que je vais vous raconter. Et Joseph a eu des avances de sa patronne. Et il a tout fait pour expliquer à sa patronne que non, vraiment, tu vois, je crois en Dieu et je ne peux pas coucher avec toi. Et ton mari m'a remis tous les pouvoirs dans cette maison. Et il m'a dit de toucher à tout ce que je veux, sauf à toi, parce que c'est normal, tu es sa femme. Donc je vais être fidèle à mon patron et surtout fidèle à mon Dieu. Et il dit donc à la femme de Potiphar que non, je ne peux pas coucher avec toi. Et puis la femme de Potiphar lui dit que bon, il n'y a pas de problème. Viens alors, il y a une ampoule qui n'est pas bien fixée dans la chambre là. Si tu peux venir, me fixer l'ampoule là et puis tu pars. Parce que moi, je ne peux pas, tu sais, je suis une femme, je ne peux pas fixer l'ampoule. Et donc, Joseph va entrer dans la chambre de sa patronne et de son patron. Et il va fixer l'ampoule. C'est une manière de parler. Je suis en train de paraphraser le texte et de le contextualiser. Et là, la femme de Potiphar va sauter sur Joseph. Et il va lui dire, couche avec moi. Et la Bible dit que Joseph va lui dire non. Et Joseph va lui laisser son vêtement. Il est parti, sorti de la chambre en courant, en laissant son vêtement à la femme de son maître. Et donc la femme, lorsqu'elle va voir que Joseph lui a abandonné ses habits, va appeler les gens de la maison et leur expliquer que Joseph est entré dans la chambre pour la violer. Elle a crié. Bon, mais tu as crié, pourquoi personne n'a entendu? Pourquoi il faut que tu les appelles? Et la Bible explique qu'il n'y avait personne. Personne n'était là. Et je pense que c'est la femme de Potiphar qui a envoyé les employés, parce que je ne comprends pas comment Potiphar, de l'autorité qu'il était, sa maison puisse être sans employés. Mais dans tous les cas, on s'en tient à cela. Et donc, les deux étaient là, et puis Joseph est sorti en courant, nu. Bon, maintenant, il faut essayer de regarder le contexte vestimentaire de l'époque. L'habillement à l'époque, ce n'était pas genre chemise, pantalon, comme je suis habillé là, non, ce n'était pas comme ça. Ça n'existait pas encore. À l'époque, c'était des boubous qu'on mettait. Et le plus souvent, sans dessous, sans caleçon à l'intérieur. Bon, s'il y avait des caleçons, pour les riches, c'était des tissus qu'on prenait, on mettait entre les jambes, là, on attachait au niveau des reins. Mais tout le monde s'habillait en boubous. Vous voyez. Donc, ça veut donc dire qu'à cette époque, et surtout dans l'Égypte ancienne, on savait que les gens s'habillaient en boubous. Le sarro, ou que les gens appellent saillon, mais nous appelons ça sarro. Bon, maintenant, lorsque vous essayez de mettre d'un côté un homme, de l'autre côté une femme, ou la femme de Potiphar, un homme comme Joseph, et que la femme le brutalise jusqu'au point d'ôter son vêtement, le sarro, parce que pour enlever ces sarros-là, ces robes masculines-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile qu'un homme, une femme, déshabille un homme de la carrure de Joseph. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on passe pour enlever le sarrau? Moi qui suis nordiste, je sais que moi-même pour enlever, c'est compliqué d'abord. Et pour que ce soit une femme qui enlève ça sur un homme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être la femme-là était une transgenre. C'est transgenre, oui. Peut-être c'était un homme qui s'était transformé en femme. Parce que c'est inexplicable de comprendre comment cette femme a pu enlever la robe sur Joseph et rester avec Joseph. Fuit, il n'a pas la force d'arracher sa robe. Donc, c'est quelque chose que l'on pourra demander à Joseph un jour quand nous serons au ciel. Dans tous les cas, lorsqu'une femme veut quelque chose, elle est capable de tout. Lorsqu'une femme veut quelque chose, vous savez. Et pour la femme, je pense qu'elle a pris ça comme une humiliation. Comment Joseph, un esclave, je l'appelle même, je lui donne même job pour rien. C'est-à-dire que je ne demande rien, je dis seulement qu'il vienne me satisfaire. Et le gars veut me montrer quoi? Ok, maintenant je vais te montrer. Si vous avez pour ennemi la femme, surtout une femme méchante qui ne craint pas Dieu,
vous êtes dans les problèmes. Parce que lorsque la femme veut arranger, elle arrange. Et quand la femme veut aussi gâter, elle gâte. Une femme en colère est très dangereuse. Elle est autant dangereuse que le diable lui-même. Bon, la vérité, c'est que je ne sais pas, entre le diable et une femme en colère, qui est plus dangereux que l'autre. Mais je sais, au moins, qu'une femme en colère et méchante est autant dangereuse que Satan. Lorsqu'une femme... Et donc, la femme, si va dire, OK, elle garde l'habit, elle appelle les gens, elle veut associer les gens à quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Et donc, ça fait en sorte qu'elle va expliquer aux gens, et les gens vont aussi croire. Et lorsque le patron va revenir, elle va lui dire que voilà, le gars a voulu me violer. Et il sera jeté en prison. Et la preuve était là. Elle avait l'habit de Joseph et Joseph était nu. Joseph, tu fais quoi nu? Joseph, tu sors en courant nu dans la chambre de la patronne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui faisais? Ou qu'est-ce que tu as voulu lui faire? Toutes les preuves incriminaient Joseph. Moi-même, aujourd'hui, qui suis un frère de Joseph, dans la foi, j'ai quand même des petites interrogations, quoique je crois en lui parce que c'est mon frère. Parce que je sais qu'il craignait Dieu. Mais je demande quand même comment ça se fait. Vous voyez, pas que je doute, mais il y a quand même des ombres d'interrogation dans ma tête pour se poser la question de savoir, bon, mais Joseph, toi aussi, explique-moi, tu es mon frère. Non, vraiment, il te défend d'abord en public, mais entre nous, derrière, comment ton sarrau se retrouve dans la main de la femme là? Comment ça se passe? Tu faisais quoi d'abord dans sa chambre? Quand son patron n'est pas là, toi-même, tu as vu que tous les employés n'étaient pas là. Pourquoi tu ne lui as pas dit que, bon, ça c'est le tribunal des hommes qui jugeait Joseph déjà. Ça c'est le juge qui est en train de poser des questions à Joseph ou bien, ou bien l'avocat. Je voulais dire le procureur de la République qui pose les questions à Joseph. Bon, quand tu as vu qu'il n'y avait aucun employé dans la maison, pourquoi tu es entré dans la chambre de ton patron à son insu et il n'y avait personne? Pourquoi tu n'as pas dit à la patronne, attendez d'abord que tout le monde revienne? Ou pourquoi tu n'as pas laissé la porte ouverte? Bon, tu dis que tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as pas crié? Et que les employés t'entendent, que tu cries que la patronne veut me violer, la patronne veut me violer. On n'a entendu ni le cri de Joseph, ni le cri de la patronne. Et c'était donc un problème très sérieux. Donc tout incriminait Joseph. Mais, nous croyons à la Bible, il était innocent. Il a dit à la dame que non, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Les femmes, la femme, l'esprit de la femme de Potiphar a rempli l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. L'esprit de la femme de Potiphar a rempli l'église de Jésus aujourd'hui. J'ai eu le témoignage de beaucoup d'histoires. Je ne veux pas parler des frères, hein, pour passer ça, c'est encore plus récurrent aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un va fuir le péché dans le monde et il vient pécher dans l'église. Quelqu'un fuit. C'est-à-dire que quelqu'un fuit l'iniquité à l'extérieur, dans le monde. Il court pour se réfugier dans la maison de Dieu et c'est là-bas qu'il se met à vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar est entrée dans l'église aujourd'hui. Jésus a dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le lieu saint, c'est la maison de Dieu. C'est le milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'abomination de la désolation est établie en lieu saint. C'est dans l'église qu'on retrouve toutes sortes de saletés, que ce soit le lesbianisme, que ce soit l'homosexualité, que ce soit l'adultère, la fornication, le concubinage, viens, on reste. C'est plein dans l'église aujourd'hui. C'est un sérieux problème. C'est un problème très sérieux dans l'église. Donc la femme de Potiphar est encore dans l'église. Elle s'est introduite dans l'église de Jésus-Christ pour séduire les serviteurs de Dieu. Pour séduire les serviteurs de Dieu. J'ai fait une observation personnelle avant de revenir sur l'accusation qui me concerne moi-même d'abord. J'ai fait une observation personnelle. Elle est grave. C'est que je pense que sur 100 femmes dans l'église aujourd'hui, il n'y a peut-être que 10% qui peuvent dire que non, je suis à l'église pour servir Dieu et non pas pour calculer le pasteur ou bien l'homme de Dieu. Parce que accuser les hommes de Dieu, c'est très facile. Dire que non, les hommes de Dieu ne sont pas sérieux aujourd'hui, c'est très facile. J'ai pris le temps, je veux partager mes réflexions avec vous. Bon, quelqu'un peut être d'un autre avis, mais moi, je suis un leader d'église et je côtoie des milliers de personnes.
Je côtoie des milliers de personnes. Par exemple, la journée d'hier seulement, j'ai parlé à près de 10 000 personnes. C'est-à-dire que j'ai prêché à près de 10 000 personnes. Je parle physiquement. Si on met encore Internet sur cela, vous trouverez que c'est très énorme. Donc, je côtoie les gens. Lorsque nous disons que les hommes de Dieu ne sont pas sérieux, on condamne que ça, c'est les faux hommes de Dieu, ça, c'est les vrais hommes de Dieu, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées reviendront sur ma page et dire que non, vous soutenez les hommes de Dieu dans leurs erreurs, les faux hommes de Dieu dans leurs péchés. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas la promotion du péché. Nous sommes des hommes. Toi-même qui parles, là, tu n'es pas parfait. C'est ça la vérité. Toi-même qui parles, là, si on regarde bien, on fouille bien tes poches, on va trouver que tu as oublié un préservatif dedans. C'est ça qui est la vérité. Donc la sainteté de Facebook ne m'émeut pas. La sainteté de Facebook, elle ne m'impressionne pas. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie sur Facebook. Mais je suis un homme réaliste. Et je veux parler des choses réalistes. Parce que c'est des choses de la vie. Je ne me fais pas passer pour Dieu. Non, non. Nous sommes des hommes. Il y a des choses qui peuvent arriver à un homme. Il faut comprendre ça. Nous ne parlons pas de prendre plaisir au péché. Il faut comprendre ça. La Bible dit que sept fois le juste tombe et sept fois Dieu le relève. Donc, le sept fois le juste tombe, sept fois Dieu le relève là, allez vous interroger, méditez sur ça tout au long de cette journée. Donc, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un tombe, que celui qui pense être debout le relève. Et dit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Parce que tu peux être debout aujourd'hui, demain tu tombes. Donc, l'orgueil et la prétention de montrer que vous êtes sans défaut, c'est ça qui vous fera mourir. C'est pour ça que Jésus a dit que tu es aveugle, mais tu dis je vois. Mais si tu avais reconnu que tu étais aveugle, j'aurais ouvert tes yeux, j'aurais donné mon collier. Donc, c'est une parenthèse. Donc, bien aimé, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle il y a tellement des hommes de Dieu qui viennent à défaillir par rapport à l'engagement de servir Dieu, par rapport à leur intégrité, par rapport à leur sainteté, c'est le nombre croissant de femmes inconverties dans nos églises. C'est le nombre croissant des femmes inconverties. C'est-à-dire que c'est le nombre croissant des femmes de Potiphar dans les églises. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de voir une femme qui protège son pasteur. Mais il faut d'abord aller aussi regarder de ce côté-là. C'est difficile de voir une femme qui dise à son pasteur que non, papa, vraiment, vous êtes la lampe de Dieu. Moi, je ne veux pas vous souiller. Je ne veux pas votre chute. Je suis là pour vous protéger. Vraiment, je ne peux pas admettre que votre chute vienne de moi. Au contraire, quand tu prêches, tu regardes la manière dont une femme te regarde à l'église. Tu sens que ses yeux te disent que tu attends quoi? Viens. Après le culte, retrouve-moi à tel endroit. C'est ça la réalité aujourd'hui. Trouver des femmes dans l'église intègre, qui ont l'esprit d'intégrité comme Anne, c'est compliqué. Donc, ça fait que le nombre de ces femmes-là, mal affermies dans la foi ou mal intentionnées ou envoyées par le diable dans nos églises, qui ont pour mission de cibler les hommes de Dieu, le fait que le nombre soit accru augmente aussi le rythme de tentation derrière les hommes de Dieu. Donc, avant d'accuser un homme de Dieu ou bien de condamner un homme de Dieu qui est tombé, il faut te mettre à sa place. Peut-être toi, tu n'aurais même pas tenu une seconde que tu serais tombé. Le degré dont les hommes de Dieu sont tentés à ce qui concerne le péché sexuel, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Toi, tu es là dans ton anonymat, on ne te connaît même pas. Même ton nom, tu demandes, on ne retient pas. Tu viens condamner les gens qui sont au front, qui ont été exposés par Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Frappe le berger et les brebis se disperseront. Avant d'accuser un homme de Dieu, c'est trop facile. Il faut voir dans quelles conditions cet homme vit. C'est les femmes qui nous harcèlent. C'est les femmes qui nous persécutent. C'est les femmes qui nous draguent. C'est ça la vérité. Moi, j'ai mon téléphone. Il y a des gens qui se plaignent que je ne réponds plus de messages WhatsApp. Je vais ouvrir le téléphone là. Ça fait près d'un mois que je n'ai pas ouvert le téléphone. Pour une simple raison. Tellement de prophéties des femmes me concernant. C'est-à-dire que tu vas regarder celle-ci, te dit que Dieu m'a dit que vous êtes mon mari. Dieu m'a dit que je dois vous consoler de la mort de mon mari. Ou bien des photos un peu osées qui sont envoyées, etc. Bon, tout ça quand même, bon, ça montre, on comprend qu'il y a une crise de mariage. C'est-à-dire que le mariage est compliqué aujourd'hui. Et donc, ça fait que certaines femmes se disent que, OK, mon pasteur, d'ailleurs, même quand le pasteur est marié, il y a certaines femmes, elles s'en foutent. Que tu sois marié ou pas vraiment, si mon mari mange, ça veut dire que moi, mais je peux aussi manger un peu. Et moi, je ne veux pas juste tout prendre, je goûte un peu. Moi, le reste là, ça me suffira. Donc, les hommes de Dieu subissent des vagues d'attaques de ces femmes-là,
de l'esprit de Potiphar que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas. Donc, dans l'église, je dis encore, plus de 90% des femmes qu'il y a dans nos églises là, quelque part de près comme de loin, nous convoitent. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une situation de faiblesse et que la fille, s'il y a l'occasion de sauter sur toi, mon ami, elle ne saute pas sur toi que tu es son père ou sa mère, que tu es son frère. Elle te civilise bien. C'est où tu comprends que l'apparence de la sainteté que nous avons, en fait, c'est une apparence, ce n'est pas une sainteté réelle. Et que tu comprends aussi que nous sommes en danger en tant qu'homme de Dieu. On n'est pas en sécurité parmi nos propres filles. Et cette affaire a fait en sorte que, personnellement, je n'ai pas confiance en mes filles. Non pas qu'elles disent que c'est des mauvaises filles. Non, elles sont très bonnes. Mais vraiment, je préfère qu'elles soient mes filles à distance. Ça fait des années que je ne reçois plus dans mon bureau. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter ce genre de choses. C'est ça la réalité. Donc, accuser les hommes de Dieu, c'est un peu trop facile. Pour moi, c'est trop facile. C'est vraiment facile. Regardez ce que cette femme fait. Elle est prête à aller couper un gros mensonge contre Joseph. Et maintenant, quand un homme de Dieu commence à se trouver dans une position comme celle-là, où il doit se justifier, les gens disent que c'est faux. Les voilà. Dieu est en train de les exposer. Hein? Il faisait quoi nu? Il est sorti nu. Et ça sort sur Facebook. Imaginez-vous qu'on vous filme en train de sortir nu dans la chambre d'une femme sur Facebook et ça passe en direct. Et vous sortez dans la chambre d'hôtel avec elle. On vous filme. Vous êtes nu. Elle a vos vêtements en main. Et vous sortez en disant, je suis innocent. Qui va vous croire? Même vos propres amis vont dire, ah pardon, laisse ça, tu es tombé frère, ça va. Tu es déjà tombé, c'est fini. Non. Ça fait des années que je ne reçois plus les gens dans mon bureau pour éviter ça. Quel genre d'expérience, personnellement, je n'ai pas eu. Parfois, j'ai reçu des soeurs dans mon bureau qui entrent. Elles te disent que papa, Dieu m'a dit que vous priez sur mes seins. Vous devez rendre ministère à mes seins. Et quand c'était comme ça, j'appelais momie. Et elle entrait au bureau. D'autres viennent, elles te disent que vraiment, papa, le démon là ici. Mettez la main ici. Après, elle va prendre votre main pour mettre sur ses seins que le démon là, il est maintenant en train d'attaquer les tétons de ma maman. Elle imposait les mains. Et tu enlèves ta main. Vous voyez, à cause de ces choses-là, pour éviter l'amalgame et la confusion, vous savez que des hommes comme moi, là, tu te trouves dans une situation comme celle-là, il y a mes ennemis qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui prient tous les jours, ils n'attendent que ça. C'est ça la vérité. Mais le Seigneur nous gardera du mal, il nous préservera, il nous aidera à arriver à bon port parce que c'est l'innocence de notre cœur qui nous préservera. Tu peux penser tout de moi, tu peux m'accuser, tu peux tout dire vraiment, ce n'est pas important pour moi. Je dois juste me rassurer que mon cœur, comme Joseph, dans sa situation, son cœur était pur et la vie de ses amis ou de ses ennemis n'était plus importante. Donc revenons maintenant à l'histoire de l'accusation de viol contre moi. Je sais que tout ce qu'il raconte là, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez juste qu'on aille droit au but. Quand quelqu'un m'a dit, il faut faire vite, on va écouter. Donc cette histoire se passe... À l'époque, je n'étais pas encore marié. J'étais encore... on venait d'ouvrir la radio, donc c'était dans les années 2012-2013. Il y a une jeune dame, une jeune sœur, une de mes filles, à l'église qui venait, à mon bureau. C'était une petite fille, une très petite fille. Quand je dis petite fille, c'est sérieux. Elle avait à l'époque peut-être 13 ans. 13 ou 14 ans. Mais c'était le genre de fille émancipée. À chaque fois quand je finissais mon émission, elle venait me dire, papa, je veux vous voir. Et moi, je l'accueillais dans mon bureau, à la radio. Et un jour, elle m'a dit, papa, vraiment, je suis vierge. Et je veux perdre ma virginité. Et puis, là, elle m'a dit, je suis vierge. Et j'étais content pour elle. Et je lui ai donné les conseils. Je lui ai dit, écoute, ma fille, tu sais, il n'y a pas un plus grand cadeau qu'un homme peut donner à une femme, qu'une femme peut donner à son mari en dehors de la virginité. C'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. Et elle me répond que, oui, mais je veux perdre ma virginité. J'ai dit, pardon. Et je lui ai dit que si tu dis ça, ça veut dire que tu as vu quelqu'un. Elle m'a dit, oui, c'est vous, papa. Et j'ai sursauté. Et j'ai poussé la porte du bureau. Et elle m'a expliqué qu'elle veut que moi, je la dévierge. Absolument. Face à face. Sans avoir honte, sans avoir peur. En face. Elle dit, non, il faut que tu me dévierges.
Et j'essaie de lui expliquer, elle n'était pas convaincue, elle est partie. Le lendemain, je fais encore l'émission, elle revient encore. Et c'était le genre de petite fille audacieuse, brutale. Ça veut dire que tu dois lui donner ça maintenant, ici et maintenant, comme les latins, l'adage latin dit, hic haec nunc, ici et maintenant. Je l'ai reçue dans le bureau et elle a commencé à m'expliquer encore qu'il faut que ce soit maintenant. Et à un moment, j'ai commencé à comprendre que c'est très dangereux. Et un autre jour, j'étais en train de descendre parce que je lui ai interdit de venir dans mon bureau. Je suis descendu après l'émission pour entrer dans la voiture. Quand je voulais fermer la portière, quelqu'un a bloqué. Et quand je me retourne, c'est la jeune fille. Elle n'avait pas 14 ans. Dans l'église, elle n'avait pas 14 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle bloque la portière. Quand on bloque la portière, j'ouvre les yeux. Avec elle, je lève la tête, je regarde. Je trouve que c'est elle. Il y a quoi? Elle me dit, vous ne bougez pas d'ici. Vous devez me donner une réponse. J'ai dit, la réponse à quoi? Vous allez me déverger, oui ou non? Vous me répondez ici. Je lui ai dit, je t'ai expliqué, ma fille. Non, voici. Elle m'a dit, non, non, tu dois, non, mais tu dois me répondre maintenant. Je veux une réponse maintenant. Je lui ai dit que je ne peux pas le faire. C'est pas possible. Tu es ma fille. Et tu es mineure. Tu dis que tu es chrétienne. Dieu t'a donné la grâce d'être vierge. Continue jusqu'à ton mariage. Ton mari sera l'homme le plus heureux. Elle me dit jamais. J'ai dit que tu dois me déverger. Je lui ai demandé que c'est obligé. Tu as dit qu'il y a une enfant d'une audace. Je n'en ai plus jamais vu comme ça. Elle me dit, je t'ai dit ça. Et puis, elle me donne une phrase qui va me faire froid au dos. Froid au dos. Elle me dit ceci. Si tu ne le fais pas, tu ne me déverges pas. Je vais publier partout que tu m'as violé. J'ai dit pardon. Elle me dit, je te dis la vérité. Si tu ne me dévierges pas, sois tranquille. Je vais publier partout que tu m'as violé. Et là, j'ai compris que c'était très sérieux. Ce n'était plus seulement une enfant qui parlait, mais c'était un chantage. C'était devenu du chantage. Alors, quand j'ai vu que c'était très sérieux, quand elle a fini de parler, je lui ai dit, attends, je vais te montrer quelque chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai mis play. J'avais enregistré ses dernières paroles. Et elle écoute elle-même. Si tu ne me dévierges pas, je vais t'accuser de m'avoir violé. Elle s'est retournée, sans rien dire. Et elle est partie. Bon. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est une grande fille aujourd'hui. C'est une grande femme aujourd'hui. Elle était grande. Elle a quitté l'église. C'est une grande femme aujourd'hui. Elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue. Mais je comprends que peut-être c'était la puberté. Elle n'a pas maîtrisé sa libido. Et donc, c'était de son âge. Et c'est tombé sur moi. C'était moi la cible. Et c'est normal. D'ailleurs, on ne peut pas dire esprit de Jézabel, comme je vois les gens écrire esprit de Jézabel. Mais on ne peut pas forcément dire que c'est l'esprit de Jézabel. Il faut que vous compreniez certaines choses. On est des hommes. Si vous êtes un homme, vous voyez une femme nue, vous vous mettez en érection, ça ne veut pas dire que c'est l'esprit de Jézabel. Ça veut dire que vous êtes un homme très viril. C'est ça la réalité. Donc, il peut arriver qu'une femme, sans être possédée, tombe amoureuse d'un pasteur. Et c'est au pasteur d'être mature pour ramener la brebis au Seigneur. Il y a maintenant un autre niveau où c'est des personnes intentionnellement sexuelles. Ça veut dire qu'elle est là, son intention, c'est de te toucher. Ça veut dire que ce n'est pas que la personne est victime de la libido ou bien elle est juste, elle n'a pas pu contrôler ses sentiments. Être amoureux d'une personne n'est pas un péché. Convoiter une personne, c'est ça qui est un péché. On peut avoir des sentiments pour une personne, mais on préserve ces sentiments, on ne les partage pas. On les garde pour soi. Un homme peut voir une femme nue et puis son pantalon pâle. Ce n'est pas un péché jusque-là. C'est-à-dire que c'est une réaction naturelle. Si un homme va, il est très viril, il va faire des examens médicaux, et que c'est une femme qui le touche, alors c'est un problème. S'il n'est pas, il ne contrôle pas ses sensations sexuelles, ses sens sexuels, alors vraiment, il aura du mal à faire l'examen. Non pas parce qu'il est mal intentionné sexuellement, parce que c'est un endroit hypersensible. C'est un endroit qui a toujours les oreilles attentives. Et donc, il faut comprendre ces choses-là. Bon, maintenant, il y a une troisième catégorie.
Une troisième catégorie de personnes dans l'église qui sont des agents de Satan, qui sont animés par l'esprit de la femme de Potiphar. Leur mission, de manière intentionnelle, c'est que je veux coucher avec l'homme là, même si on fait quoi, on dit quoi, je veux coucher avec lui. C'est de cette catégorie de personnes que nous parlons. Je veux coucher avec la personne. La femme de Potiphar n'avait pas pitié de Joseph. Elle voulait coucher avec Joseph. Donc elle voulait coucher avec Joseph, pas parce que c'était la libido, pas parce qu'elle était amoureuse de Joseph, mais parce qu'elle voulait découvrir la nudité de cet homme. Elle voulait coucher avec lui, tout simplement. C'était Satan qui voulait détruire l'alliance de Joseph avec Dieu. C'est ça la vérité. C'était Satan qui utilisait cette femme pour détruire la vie de Joseph et son alliance avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'église de Jésus, il y a l'esprit de la femme de Potiphar qui anime beaucoup de femmes. Je dis la vérité devant Dieu. Les hommes de Dieu peuvent comprendre ce que je dis. Il est difficile aujourd'hui, ou pratiquement impossible, de rencontrer une femme dans nos églises-là, parmi nos enfants, nos filles-là, qui peuvent dire non à un homme de Dieu qui leur fait les avances. Et après, tu vas venir dire que je sortais avec l'homme de Dieu. Vous sortiez pour aller où? Pourquoi tu n'es pas venu dire que non, vraiment l'homme de Dieu m'a dragué, j'ai refusé, prions pour son salut. C'est après avoir enjoy l'homme de Dieu pour longtemps. J'ai fait une vision, le message ici vient d'un rêve que j'ai fait. Dans le rêve, une fille qui disait qu'elle sortait avec un homme de Dieu, ça fait 6 mois. Donc j'ai sursauté dans mon lit. Parce que vous savez qu'on a voyagé la nuit, on a fini le programme à Berthois, on a pris la route directement, on est arrivé ici au petit matin et tout ça. Donc, 6 mois. Donc, quand je suis sorti dans le lit, j'ai dit, ma tante, attention. Ça veut dire que tu as 6 mois, ça veut dire que tu as vécu dans le péché avec l'homme de Dieu pendant 6 mois. Vous avez vécu dans le péché, dans l'iniquité pendant 6 mois. Ça veut dire que vous avez consommé le péché normalement pendant 6 mois. Quand ça se gâte, tu viens nous dire. Mais pendant 6 mois, quand c'était sucré, tu n'as dit à personne. Et c'est un problème. Comment tu peux vivre dans l'adultère, vivre dans l'immoralité sexuelle avec ton pasteur pendant 6 mois? Tu enjoy bien ça. Tu dis bien que je sortais avec le pasteur. Vous partiez, vous sortiez pour aller où? Pendant 6 mois, vous êtes bien. Vous enjoyez, vous enjoyez. Hein? Maintenant, quand c'est mauvais, peut-être il y a une autre petite qui l'a aussi taclé comme toi. Tu ne veux pas qu'elle aussi, elle mange. Et puis toi, tu viens te plaindre maintenant sur Facebook, partout. Pourquoi, au début, quand c'était sucré, tu n'es pas venu nous appeler, nous dire? C'est un problème sérieux. Donc moi, je pense que les hommes de Dieu doivent être très prudents, sont très, très prudents. La plupart des personnes que nous appelons nos filles dans nos églises, il y a des infiltrés dedans. Il y en a qui sont des femmes de Potiphar, animées par l'esprit de Potiphar, qui sont là juste pour coucher avec nous. Moi, j'ai dit la vérité. Il y a des femmes, je prêche, tu regardes une fille, tu sens que les yeux de la fille te demandent que tu attends quoi? Viens. Ne résiste pas, viens. Et c'est le genre de femme-là, après, quand elle va te tacler, c'est elle-même qui ira encore raconter aux gens que je couchais avec le pasteur, je couchais avec le prophète, je couchais. Tu viens me dire ça, je te donne une paire de gifles neuves. Papa! Tu es quitte de ma face, agent de Satan. Comme j'ai reconnu, j'ai reçu une jeune dame qui vient, me dit que t'es un prophète, j'ai couché avec lui. À l'époque, j'étais gentil. L'heure-ci, tu viens me raconter une histoire comme ça, je te gifle d'abord. Tu es une agent de Satan, une méchante femme. Tu as d'abord couché avec l'homme de Dieu, pourquoi? Tu vois toutes ses responsabilités. Tu vois les âmes qui dépendent de son onction. Tu vois la grande charge que Dieu lui a donnée. Au lieu de lui dire non, vraiment, homme de Dieu, moi-même je veux. Mais j'ai dit non parce que toutes ces milliers de brebis-là doivent être sauvées. Je ne veux pas être à l'origine de votre chute. Tu écartes tes jambes comme une femme qui accouche. Pour venir après insulter, l'homme de Dieu dit que les hommes de Dieu ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ce n'est pas toi qui es parti là-bas. Si tu ne lui avais pas écrit sur Messenger ou bien sur Facebook, c'est pour ça que je ne suis pas trop sur Messenger. Parce que c'est la poubelle, Messenger. J'ai WhatsApp. Même WhatsApp que j'ai donné, je fuis mon WhatsApp. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des femmes audacieuses. Elles s'en foutent, on t'appelle prophète, je m'en fous. Tu vas me donner l'affaire là. Je vais aussi goûter ma part dedans. C'est-à-dire que la femme te dit ça clairement. Bon, maintenant, toi qui n'es pas intelligent, tu vas penser que c'est parce que tu es trop beau que les femmes t'aiment. Tu es quel beau? Avec ton nez épaté même d'abord, comme ma part ici. Avec tes oreilles, comme les antennes paraboliques, c'est vrai que ma part dépasse ta part. Non, un homme de Dieu doit comprendre une chose en ce qui concerne le ministère. Il faut savoir déjà ce que nous voulons. Je vous dis la vérité, il y a des femmes qui ne craignent pas Dieu dans nos églises. Elles sont comme ça. Une femme t'écrit,
Les hommes de Dieu sont tentés au point, vous ne pouvez pas comprendre. Quand la Bible dit frappe le berger et les brebis se dispersent, vous savez ce que ça signifie? Frappe le berger. Vos pasteurs sont dans les problèmes, mes amis. Vos pasteurs sont dans des sérieux problèmes. C'est pour ça que pour qu'une sœur dise qu'elle va épouser un pasteur, il faut qu'elle réfléchisse bien. Hier, j'ai été pris d'angoisse à cause de le départ de ma femme, à cause de sa maturité. C'est-à-dire que parfois, je me dis, je fais comment? Tu vas en brousse, tu la cherches, au sommet de montagne, tu la cherches, et tu te rends compte que tu ne peux plus la trouver. Cette espèce était très rare. Je ne peux pas compter le nombre de femmes que ma femme a appelées, de nos filles, pour les conseiller, que je vois tes yeux sur mon mari. J'ai vu le message que tu lui as envoyé, c'est pas bien, elle exhorte, elle prie avec toi, dit prions, que Dieu te donne ta part de mari, elle a fait plusieurs fois comme ça. Elle aurait bagarré avec les gens. Elle aurait bagarré. Je vous dis la vérité. La femme d'un homme de Dieu, surtout d'un homme de Dieu qui a un certain impact, doit être mature. Elle doit avoir la maturité. Sinon, elle va bagarrer tous les jours avec les soeurs à l'église. Donc, tu vas voir, momie, la femme du pasteur, sauter de l'hôtel, bondit sur une soeur dans le peuple, et puis c'est la MMA. Ah, c'est la bagarre. Dans l'église, si on ne se sépare pas, vraiment, elle va blesser. Comme on a vu une femme d'un homme de Dieu à Douala qui a versé l'eau chaude sur la copine de son mari. Aussi une femme qui disait sortir avec son mari. Je n'ai pas dit la copine de son mari parce que je n'étais pas là. Que Dieu me pardonne déjà d'avoir dit ça. Donc, c'est ça la réalité. Il faut être mature. Et mon épouse savait. Lorsqu'elle me regardait comme ça, elle disait que mon mari, celle-là, elle t'aime. Elle, sa prophétie n'échouait jamais. Non, non, c'était toujours vrai. Bon, maintenant, on vous accule. Les femmes vous acculent. Tu résistes. Un, deux. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu que Seigneur, vraiment, je bénis Dieu pour ton serviteur Joseph. Mais Joseph, on ne peut pas me comparer à Joseph. Joseph a résisté à une femme et il est un héros. Moi, je ne peux pas, si on prend la liste, je ne peux pas compter. C'est ça la vérité. Je ne peux pas compter le nombre de femmes dans nos églises, dans notre ministère. Une femme te dit, ok, je t'amène aux États-Unis, je te paye le billet d'avion, on part. Dans tel autre pays. Tu lui dis, mais je suis marié. Elle dit, mais et tu seras le premier. Il y a des femmes spécialisées à coucher avec les hommes de Dieu dans nos églises. Qu'elle a couché avec tel homme de Dieu, elle déménage. Elle va dans l'autre assemblée. Elle vient maintenant, elle est la doucereuse, très engagée. Elle peut tout donner à l'homme de Dieu, tout ce qu'il veut. Elle va lui donner. Elle est toujours sainte. Elle a l'apparence de la sainteté, de la piété. Elle porte le ministère. Elle va encore porter le ministère plus que l'homme de Dieu. Dès qu'elle couche avec vous, elle change d'église. Mission accomplie. Elle va encore dans une autre assemblée, elle cible. Et ce genre de femmes, quand vous causez avec elles, elles ont une grande liste avec tous les numéros des grands hommes de Dieu. Elles connaissent tous les hommes de Dieu. Quand tu parles avec elles, elle va te dire, tel, oh, c'est mon ami. Tel, ah non, non, c'est mon ami. Tel là, non, 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 c'est mon frère en Christ. Tel là, oh non, j'ai tellement hier avec lui. Il y a des femmes qui ont pour mission de coucher avec les hommes de Dieu et renverser les hommes de Dieu. Et surtout nous, que Dieu a amené à un certain niveau. Nous sommes la cible. Tu peux savoir combien de femmes draguent toi qui viennent bavarder au prophète quand le frère dit non, et toi-même, je n'ai même pas ton temps. Bavard, c'est ta salive que tu es en train de perdre. Vous ne pouvez pas compter combien. Et je suis allé voir le Kim prophète. Le prophète Joseph Eyon Ayouk. S'il m'écoute, il peut confirmer. C'était mauvais sur moi. Je suis allé le voir pour lui demander que mon frère, les femmes te dérangent aussi comme moi. Il m'a répondu que oui, un peu, mais pas comme ta part là, c'est trop grave. Il me dit que moi-même, je ne peux pas compter le nombre de filles que j'ai reçues dans mon bureau qui sont fâchées contre toi, que Dieu leur a dit que c'est toi leur mari. Je connais à l'heure où je suis en train de parler, une de nos filles, une de mes filles à l'église là-bas, qui a divorcé de son mari à l'époque, disant que Dieu lui a dit que je suis son mari, que moi, il n'est pas ma femme. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont appelé que prophète. Il y a une fille ici qui dit que Dieu lui a dit que tu es son mari. Comme ça, plein. Bon, maintenant, Joseph a résisté à une. Toi, tu résistes à des centaines ou à des milliers. Et comment tu n'es pas un héros? On t'insulte même. D'abord, lui, il résiste à une. Et puis, il est devenu un héros. Toi, tu résistes à des milliers et tu n'es pas un héros. On t'insulte dans ton pays plutôt. Donc, moi, je pense que les jeunes femmes, les jeunes sœurs, protégez vos hommes de Dieu. Gardez vos pasteurs. Aimer ton père ne veut pas dire forcément coucher avec lui. Tu peux aimer ton père, mais tu dis dans ton cœur, la chute de mon père ne viendra pas de moi.
je ne veux pas coucher avec mon père, je ne vais pas coucher avec mon père, même si c'est fort plus que toi, dis ça en toi-même que je ne peux pas. Prends cet engagement et préserve ton père. Parce que ton père spirituel est la lampe de Dieu pour toi. Si tu éteins cette lampe toi-même, tu seras la première à marcher dans l'obscurité. On reviendra sur un autre pan de cette histoire. Donc, je voudrais vous donner ce conseil et que Dieu vous bénisse. Ce vendredi à la Bible ici à Yaoundé, nous avons la grande nuit de flammes. À partir de vendredi, je voudrais vous exhorter à être très nombreux, à vous connecter et à être là, surtout présent, à partir de 21h à la Bire, en Kouaban, ici à Yaoundé. Et quand vous venez, le Seigneur Jésus vous bénira. Ça sera une nuit phénoménale, une nuit extraordinaire, une nuit redoutable, où la main de Dieu agira avec puissance. Et laissez-moi vous dire une chose, un homme de Dieu, sa force se trouve dans sa sainteté. Je me répète, un homme de Dieu, sa force se retrouve dans sa sainteté. Il y a deux hommes de Dieu qui m'ont vu avant-hier, ici à la maison, pour me demander quel est votre secret. Je leur ai dit, le secret du ministère, c'est la sainteté. Lorsqu'un homme de Dieu se souille, il devient faible. Le péché est affaibli. L'immoralité sexuelle affaiblit. Qu'on ne vous mente pas. Le péché va t'affaiblir. Ça veut dire que si tu couches avec une femme, parfois, en fait, soit ça détruit complètement ton ministère, soit pour revenir vraiment sur la pente. C'est compliqué. Dans tous les cas, la mauvaise vie, le péché en général, déshabille l'homme. Le péché déshabille l'homme. Le péché te déshabille. Le péché te déshabille du manteau et de l'onction, de la grâce que tu portes. C'est pour ça que plus un homme de Dieu se sanctifie, plus il est puissant. Pour moi, c'est ce que je connais du ministère. Donc, vous devriez plutôt veiller à ce que vos pasteurs soient saints. Les garder, les protéger, être une haie de protection autour d'eux pour leur permettre d'être saints. Même si tu aimes ton pasteur comment, dis non. Dis-toi que jamais je ne serai un agent de destruction de l'onction de Dieu dans la vie de mon père. Si tu le fais, toi, Dieu te bénira. Il te donnera un très bon mari. Vous serez riche, vous serez bien. Et vous allez voir, vous aurez de beaux enfants et tout ce que vous ferez réussira. Pourquoi? Parce que tu as préservé la vie de loin de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h, pour notre édition de À la lumière des Saintes Écritures, à la mémoire de Momi Shalom Ekané. Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.